Amis, auditeurs, auditrices, supporters, Sophia TV 83, gros bonjour, bonsoir pour nous tous qui connectés dans quatre coins du monde. C'est avec plaisir, une autre fois encore, équipe là content, retrouver porter pour vous une nouvelle vidéo. Dans affaires information, nous prenons temps, accent pour chercher information pour nous porter pour toute fanatique Sophia TV 83. Merci avec vous-même qui déjà quitté un like sous vidéo ça. Et merci une autre fois encore avec vous-même qui déjà partager information nous pour nous capables arriver toucher plus monde information pour des pour nous pas inviter ou tendez gros déclaration premier ministre AIA Claude Joseph lui-même lui fait journée jodia qui fait qui ouais qui montrer toute volonté ministre lui-même lui gagner pour le capable travailler dans bon gens avec forme pour capable porter bon gens sécurité dans affaires qui gagner dans dossier kidnapping là premier ministre Claude Joseph à l'appareil, il peut porter tout détail sur ça qui gagne avec gros réunion qui déjà fait élargissement qui gagne entre la police avec CSPN côté yo même yo déjà chita ensemble fait gros préparation pour capable combattre avec dossier kidnapping. Nous allons inviter le premier ministre à Claude Joseph qui l'a pour un petit bout de temps et bien il fait qu'on est dans petit temps ça lui même lui là l'a commandé et l'a dirigé l'a passé l'ordre et bien l'a fait tout ça qui dépend pour capable arriver mettre un bout avec dossier kidnapping. Premier ministre Claude Joseph à l'appareil pour plus de détails. Merci, merci PDG. Donc on connaît et c'est un pas de capable passer parce que on connaît attachement avec Radio Guinée et depuis l'homme était très jeune étudiant et l'homme était en fait moi passé là déjà en tant que ministre des Affaires étrangères et des cultes même si me toujours gagne chapeau ça mais avec chapeau me passé je dis c'est en tant que premier ministre pour un petit bout de temps où qu'on est PDG qui ça qui expliquer choix président de moi-même. C'est particulièrement et conjoncture là, c'est circonstance. Sauvé choix ça qui opérait dans tête du gouvernement, dans tête CSPN, dans les dictés par, m'était capable de dire les impératifs du moment. Il y a deux problèmes, je dis, c'est problème insécuritaire qui a valé terrain. Et deuxième problème, là, c'est décision, détermination. Président de la République là, pour le mettre campé un gouvernement d'union nationale. Donc, pendant si bout de temps que m'a fait comme Premier ministre, m'a adressé deux problèmes. Attaquer question insécuritaire, où est déjà que m'a organisé deux CSPN. Un CSPN, et après, d'abord m'a passé de directive claire à DGPNH pour qu'on présence massive policiers dans la rue, et pour question zone de non-droit et non petit pays, particulièrement dans la capitale là, pour nous suspendre parler de cause ça. Ça veut dire que bandits, groupes armés, font nous attaquer dans le dernier retranchement. Et DGPNH là, est à l'œuvre. C'est ça que fait, ou est que moi visiter commissariat, visiter ou ensemble unité spéciale dans la police là, pour nous booster moral, pour nous adresser les préoccupations. Je dis à devise la police nationale, c'est protéger, servir. Donc, nous devons protéger la population, nous devons servir la population. Parce que nous avons kidnappé, c'est petite maman, madame, frère, soeur, policier et tout. Donc, c'est-à-dire que nous avons un engagement qui doit gagner au niveau de la police nationale, là, en dépit de préoccupations, évidemment, que nous avons adressé au niveau comme moi-même, comme président CSPN. Non. Mais, il faut gagner une synergie qui existe entre la population et la police nationale pour nous couper le kidnapping. Donc, nous décidons d'adresser la question de la sécurité. C'est ça que fait ouais, moi-même particulièrement, parfois, avec tout l'état-major police, nous sommes dans la rue. Nous camper pour nous rencontrer différents checkpoints pour nous parler de la police. Nous faisons l'autre CSPN élargi avec le secteur privé, ensemble, pour nous adresser la question de la sécurité. Pour nous faire suggestion et pour nous expliquer tout, mesure. Que nous-mêmes, au niveau du gouvernement, on apprend pour nous et adresser problème et sécurité. Maintenant, j'aime dire la question sécuritaire n'est pas seulement une question de criminalité. Gagner aspect politique là-dedans tout. C'est ça que fait le président. Liban mon feuille de route claire, comme mon premier ministre pour un petit bout de temps, pour nous joindre un consensus avec acteurs politiques pour avoir un premier ministre définitif et un gouvernement d'union nationale.
PM, on est que c'est pour un petit bout de temps avec nous. Nous allons un petit bout de temps que on a fait avec avec nous dans le studio. Hein. Mais encore, comme on dit le tout, son PM qui a fait un petit bout de temps. Son petit bout de temps qu'on a passé. Donc, et c'est pour remettre puis devant à Yomon après consensus. Mais cependant, pas qu'à quitter ou t'as allé sans qu'on pas ta baille population. On compte tout ça autant de. Et cependant, si vous êtes en décrit population en tout, ou qu'attendez là à travers Radio Télé Guinée, parce que c'est pas nous qui a dit ces populations même qui a parlé, la parlé, la demandé pour tendre. Comment mon yon getan yé, en tout même la police, on parle de CSPN, c'est qui, comment mon yon sa getan yé, comment travail la getan yé? C'est une vraiment belle harmonie. D'abord, on connaît, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur des collectivités territoriales, ministre Justice, DGPNHA. Donc moi-même m'assurer que je vais passer 3 heures de temps ensemble parler avec DGPNHA pour encore renforcer les directives et qui montrer les mêmes volonté de travailler. Parce que le moment ça, c'est un moment décisif dans l'histoire. Nous. Petit bout de temps à faire là, il faut nous prouver que nous sommes capables d'adresser ces questions insécurité. Donc, on est capable de dire que c'est une parfaite harmonie entre les différents membres du CSPN et moi-même comme président CSPN, j'ai établi un leadership participatif pour me permettre que nous toutes nous participer dans la décision et avancer pour la question chercher à attaquer vraiment le problème de sécurité. PM, on connaît que nous sommes hommes de terrain, c'est souterrain hein, que là nous croisons, c'est là tout, nous voyons à l'œuvre et encore, je dis après toute expérience à de faire. Nous avons paraît encore comme étant premier ministre par intérim, ou bien temps prend la rue. Mais pendant dans la rue, ou avec la rue, avec Ndakadi, tout est en droit. Toutes les institutions qui sont là pour protéger avec servir, qui pour entourer la police là, et en même temps pour bailler la population service. Mais nous avons un pays dans le monde, nous avons un côté, nous avons une police qui est capable d'effectif sans participation de la population. Qui ça, qui message, même qui te parle directement à la population, hein? Qui objectif, qui garantit que vous pouvez même tout pour entrer, pour aider ou protéger, en même temps, collaboration avec la police. Là. Bon, écoutez, moi, je dis avec chaque grand monde qui est là, les policiers, c'est frère, non. Les policiers, c'est papa, non. Les policiers, c'est famille, non. Nous avons un pile intérêt à travail avec yo nan volonté pour yo croper kidnapping la et combattre gang armé yo quel que soit côté yo trouvé dans société a. Parce que question kidnapping la li préoccupe tout moun, pas gagné moun question ça pas préoccupé. C'est ça que fait président république là, lui même li déterminé pour li travail n'était capable dit pour établir un climat sécurité pour organiser référendum constitutionnel, organiser élection. Si à travers l'élection, nous choisissons comment pour nous renouveler le personnel politique là. 7 février 2022, président de la République là, son excellence, M. Jovenel Moïse, vient pour l'aller. Il vient pour l'aller en paix, mais il faut qu'il soit remplacé par un autre président qui est élu à travers les urnes. Pour nous faire ça, il faut nous travailler pour nous avoir un climat et apaisé, un climat de sécurité et qui est serein, qui est propice à l'organisation des élections. Moi-même, tant que je suis là, je suis assuré la population que je combatte l'insécurité. Et la question, c'est gang armé, c'est gang, c'est groupe armé qui a fait la loi, la question ça, elle a fini. Parce que c'est l'État seulement qui a un monopole de la violence légitime. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons faire bandit courir, c'est pas bandit qui peut faire l'État courir. Et participer à l'armée d'Haïti? Bon, si vous voulez gagner, ils ont. Décret qui permettent que l'AMEA, état d'urgence, sauvé, qui permettent que l'AMEA travaille ensemble avec la police. Donc, il est extrêmement important dans le mouvement et ça a eu, dans le carrefour ça a, pour gagner une synergie entre force armée et force police, parce que c'est deux forces légales pour combattre la sécurité. Les gagnants, CSPN élargi, évidemment, il y a un ministre de la Défense qui est là-dedans et moi avec ministre défense et avec directeur police nationale là Napchita et on était capable dit de temps en temps pour nous évaluer côté nous par rapport à ça nous débattre nous comme et priorité pendant petit temps que nous avons passé notre tête prématurée. On a parlé avec premier ministre
AI, qui c'est son excellence docteur Claude Joseph, qui en même temps tout, c'est ministre des Affaires étrangères. Qui est-ce que nous satisfait, qui satisfaction nous de participation dans la réunion avec le secteur privé? Parce que nous connaissons le secteur privé lui-même dans tout pays qui a un rôle pas pour le jouer, spécialement dans le pays pas nous en tout, qui a la clé. Et que le capable jouer, yo d'accord, parce que c'est au cap victime, c'est au cap bail travail, c'est au tout. Bon, y a une population, et en même temps, c'est au cap fait marcher la vie tout en dans le pays. Bon, faut me dire que jusqu'à maintenant, c'est une plus belle rencontre que je fais, et pendant 6 jours que je gagne déjà dans la tête primature là, son CSPN élargi, côté nous t'es invité, membre secteur privé des affaires. Faut me dire que yo même tout yo exprimé satisfaction de rencontre ça, yo pensé que Foxy, on va regarder le instituer étant donné conjoncture politique là. Donc, yo fait part de, yo fait nous part de ensemble de suggestions. Nous-mêmes nous expliquer aux mesures que nous apprend pour nous combattre question insécurité. Donc, c'est une rencontre qui finit sur une très très belle note côté que secteur privé a avec police nationale à travailler ensemble dans différents domaines pour nous adresser de façon efficace problème insécurité. M'a respecté l'heure, m'a respecté le temps, parce que m'a quitté toujours. Ouais, pour nous être capables de nous connaître, c'est dans Bati Haïti, c'est là nous avons un rendez-vous, mais cependant, qui sont à dire à la population, parce que non seulement ça, vous faites commencer, et en même temps, bien qu'on l'a déjà, ouais. Mais qui ça n'a pas tant qui côté nous aller, et qui côté nous aimer aller. Quittez-moi d'abord, et PDG, pour moi féliciter pour le travail qu'on fait. Donc, médias, la presse là, c'est un poteau mi-temps, c'est un pouvoir qui existait dans la société. Donc moi, je pense que Wall Paula et Radio Guinée les jouent, d'autant que moi, je suis en territoire inconnu, parce que là, c'est côté que moi, je suis animé des jeunes étudiants, une émission que l'espace universitaire, que ou te ban moins gratis, pas de compte payé pour me faire ça. Donc, qui te félicite pour être capable de service. Et à la communauté qu'on dédie, on est capable de dire radio et télévision pour lui. Mais quittez-moi encore renouveler détermination président de la République là, pour les joindre un gouvernement, pour les joindre en situation de sécurité, pour les joindre pour le faire un dialogue qui réussit, pour le joindre un consensus, parce que cap là, le président est déterminé, le gouvernement déterminé, c'est vers référendum et élection. C'est à travers l'élection, nous choisirons, nous voulons, et nous sommes capables de dire, personnel politique là. C'est à travers l'élection pour le président Jovenel Moïse aller pour l'autre, et nous sommes capables de dire, président qui remplace elle. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est la pédagogie de l'alternance démocratique. C'est la pédagogie de l'alternance démocratique. Kishita est sous une pierre angulaire pour tout le temps qui est le respect du verdict des urnes. Donc c'est ça, je dis, qui est important. Et c'est pour ça, moi-même, je travaille pour nous établir la sécurité, pour nous caler, organiser bon genre élection, de telle sorte que 7 février 2022, le président passe ma tête là comme l'autre président.